va faire l'interview Philo Express. Alors là, il faut répondre vite. Attention, l'homme est-il responsable de tout ce qu'il fait? Oui, hélas. Tout pouvoir s'accompagne-t-il de violence? Non. Suffit-il d'être poli envers autrui pour le respecter? Non, mais c'est vraiment un premier pas important. La nature fait-elle bien les choses? Non, il y a Laurent Baffy, entre autres. Bonne vague! Excellent. Oh, il a l'air fou. Un peu d'humour dans la vie de Baffy, c'est bien. Suffit-il de constater pour atteindre la vérité? Non, pas du tout. La liberté se définit-elle comme un pouvoir de refuser? En grande partie, oui. Notre liberté de penser a-t-elle des limites? Non. En Patagonie. Peut-on être libre sans être responsable? Non. Suffit-il d'être dans son droit pour avoir raison? Non plus. La morale s'apprend-elle? Un tout petit peu, pas beaucoup. L'amour peut-il être un devoir? Non, surtout pas. Est-ce un bien de perdre ses illusions? Oui, quand même. Peut-on être sûr d'avoir raison? Non. Les différences sont-elles des inégalités? Non, non, bien sûr que non. La liberté consiste-t-elle à faire ce qui nous plaît? Non plus. La recherche de la vérité peut-elle se passer du doute? Non plus. Peut-on rester un philosophe en venant à la télévision? Oui, évidemment. Et enfin, est-ce que Sucé s'est trompé?